Bonjour à tous, amis de l'écho, et bienvenue dans l'Hebdo Echo. Envoyer un mail, cela n'a l'air de rien. Quelques lignes qui partent pour lancer une invitation, rappeler un rendez-vous. Et pourtant, chacune de nos actions numériques a un coût, notamment environnemental. Aujourd'hui, le secteur représente 3 à 4 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, 2,5 de l'empreinte carbone de notre pays, selon une étude de l'ADEME et de l'ARCEPT, l'autorité de régulation des communications électroniques. Et cela ne va pas aller en s'arrangeant. Ces émissions devraient augmenter de 60% d'ici 2040 si rien n'est fait. Dans ces conditions, il est urgent de s'interroger sur le développement d'un numérique plus responsable et plus durable. C'est là qu'intervient Enter, un nouveau pôle de compétitivité dédié au numérique responsable en Nouvelle-Aquitaine. Il vient tout juste d'être labellisé. Pour en parler avec nous, François Pellegrini, président de Nouvelle Aquitaine Open Source, le pôle de compétences régionales pour les logiciels libres et open source. Merci d'être avec nous. Bonjour François Pellegrini. Bonjour. Merci de l'invitation. Ben je vous en prie. Pour commencer, pouvez-vous peut-être nous présenter Naos, que vous présidez, quelle est votre mission et qu'est-ce qu'on appelle l'open source alors je vais prendre les questions à l'envers. L'open source ou le, le, le libre, logiciel et matériel libre, c'est un modèle euh, spécifique de répartition de la valeur avec une logique collaborative. C'est-à-dire que la plupart des matériels qu'on croise sont des matériels fermés ou des logiciels fermés sur lesquels on ne peut pas intervenir. L'objectif du libre, c'est de mettre en place des modèles de licence, donc des modèles juridiques, qui vont permettre aux gens d'utiliser librement mais aussi de copier, d'étudier, de modifier et de republier les modifications, ce qui fait que ce qui a été fait par un peut être réutilisé par tous. Donc c'est une source considérable à la fois d'économie, d'innovation et de créativité, parce que quelqu'un qui a eu des nouvelles idées peut s'appuyer sur le patrimoine qui existe déjà pour mettre en œuvre le plus rapidement possible son idée, au lieu de tout redévelopper lui-même. Donc en fait c'est un levier considérable d'efficacité dans le numérique. Et donc, vous, Naos, quelle est votre mission Puisque vous êtes le pôle dédié. À... Alors, effectivement, depuis une dizaine d'années, euh, on avait euh, d'abord la structure s'appelait akinétique en ancienne Aquitaine, et puis maintenant Nouvelle Aquitaine pour prendre en compte la dimension grand régionale. Donc, c'est une structure que je co-préside maintenant parce que, justement, dans le livre, on aime bien aussi l'intelligence collective. Et euh, l'objectif de Naos, c'est à la fois de structurer la filière, parce qu'il y a une filière industrielle libre. Euh, il y a 20 ans, les gens s'étonnaient en disant, mais comment on peut faire de l'argent avec du gratuit ben, Libre ne veut pas dire gratuit. Et il y a énormément d'entreprises qui bénéficient de ce modèle, y compris les, les plus grandes. Et donc le but de Naos, c'est, sur l'échelle du territoire, selon la logique du penser global, agir local, structurer la filière. Accompagner les projets. Donc, on a un accélérateur d'entreprise qui s'appelle La Banquise, euh, qui est opéré en partenariat avec euh, toutes les technopoles de Nouvelle-Aquitaine au sein d un, d un, donc de leur euh, réunion qui s'appelle NAT, Nouvelle-Aquitaine Technopole. On a une Naos Academy qui va former euh, les, les entrepreneurs. Et à partir de là, notre objectif, c'est de faire croître, fleurir cet euh, écosystème dont on pense qu'il est un, un, un atout pour l'avenir en région Nouvelle-Aquitaine, avec un soutien euh, constant des pouvoirs publics et, et du Conseil régional. Et donc vous êtes engagé pour un numérique responsable Qu'est-ce que c'est un numérique responsable Alors, comme vous l'avez rappelé en introduction, toute activité humaine a un coût. Et ce coût peut devenir euh, euh, insupportable en termes de ressources pour la planète. Vous avez cité l'émission des gaz à effet de serre qui découlent de l'utilisation de l'électricité pour bah, propulser ces équipements. Mais derrière, il y a la question de la ressource en eau pour le refroidissement des data centres. Et puis, il y a la question de toute la chaîne de construction de ces équipements. Parce qu'on est dans une logique de remplacement rapide des équipements avec des effets de mode. Et l'idée, c'est de dire, bah, là, ça consomme des terres rares. Alors, les terres rares qui sont parfois exploitées aussi. Avec des, dans des conditions sociales qui, qui sont tragiques. Et donc l'objectif du numérique responsable, c'est d'arriver à avoir une filière qui soit la moins dommageable possible pour l'environnement et pour des ressources qui vont devenir de plus en plus rares, surtout avec la raréfaction de l'énergie. Alors pourquoi un logiciel libre a un impact positif justement Alors comme je l'ai dit, l'avantage du libre et aussi du matériel libre, c'est déjà la capacité de réutiliser ce qui existe déjà. Donc c'est frugal en ressources pour son développement. C'est aussi frugal en ressources pour sa mise en œuvre parce que finalement tout ce qui est du gras, tout ce qui ne sert pas vraiment à l'objectif du logiciel va être éliminé par les contributeurs successifs qui regarderont et qui diront bah ⁇ ben non, on peut faire sans ça, on peut faire sans ça ⁇ Donc même dans l'usage, euh, ces logiciels sont frugaux. Et ça a un impact aussi sur la réutilisation des matériels, c'est-à-dire que alors que certains logiciels sont des logiciels un peu obèses qui vont demander des ressources toujours plus considérables, le libre, c'est aussi un moyen, euh, notamment, de recycler du vieux matériel ou d'augmenter sa durée de vie. Et comme effectivement la construction des matériels représente une part extrêmement importante, majoritaire de loin, du coût environnemental du numérique, maximiser l'utilisation du matériel, sa durabilité, le fait d'avoir des matériels qui peuvent être recomposés, c'est-à-dire qu'on prend une pièce d'un matériel pour le remettre dans une autre, tout ça, ça participe au cercle vertueux d'un numérique qui soit responsable. Oui, pas besoin d'avoir toujours le dernier opérateur pour. Euh, voilà, le, faire le, le dernier ordiphone, le dernier ordinateur. Euh, personnellement, j'ai des machines qui ont 15 ans d'âge et qui fonctionnent et rendent le service qu'elles sont censées rendre parce que le logiciel est parfaitement adapté à la machine en question. D'accord. Alors, vous avez donc porté ce projet Enter, qui ambitionne d'être un pôle de compétitivité à mission mmh. vers un numérique responsable et durable. Alors, vous pouvez nous en dire plus, nous préciser quels sont ses objectifs. Oui, tout à fait. Alors là aussi, hein, coporter, euh, je crois que l'intérêt du collectif il est immense parce que euh, c'est l'intelligence qu'il faut collectif, collectif qu'il faut mobiliser face aux, aux, aux défis euh, civilisationnels qui, qui sont devant nous. Donc euh, l'objectif d'un pôle de compétitivité, hein, c'est un dispositif qui est mis en œuvre par l'État c'est d'arriver à rassembler une filière et à créer des synergies qui permettent de faire émerger à la fois des entreprises qui soient des champions nationaux et mondiaux. Donc les pôles ont un ancrage régional, mais ont une vocation de compétences nationales et internationales. Et chaque pôle est spécialisé. Il y en a actuellement 55 en France, puisque la phase de labellisation, phase 5, s'est terminée. Inter a été présélectionné pour deux ans, parce qu'on est le petit nouveau qui arrive dans le quartier. Et l'objectif de Hunter, comme, comme il, a, il a été dit, c'est d'essayer de fédérer toute la communauté de l'innovation, euh, à la fois euh, technique, mais aussi euh, sociétale autour du numérique responsable, dans un territoire qui est vraiment à sa mesure, parce que la Nouvelle Aquitaine, c'est à la fois des milieux urbains, ruraux, urbains, et donc le numérique doit être, j'allais dire, accessible à tous, et c'est pour ça que parmi les cinq mots-clés du mantra de Hunter, on trouve sobre, maîtrisé, durable, inclusif et résilient. Et on voit bien la notion d'inclusivité, on voit bien la notion de durabilité, de résilience. Donc l'objectif de ce pôle à mission, c'est de participer pas seulement à un objectif économique de rentabilité immédiate et court-termiste dont on voit les dommages, mais au contraire de proposer une vision globale qui inclut l'humain dans la conception des dispositifs numériques. D'accord. Alors vous avez déjà fédéré pas mal d'acteurs euh, du territoire. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns Entreprises, laboratoires euh... Oui, tout à fait. Bah, L'intérêt d'un pôle de compétitivité, c'est d'arriver à allier des grandes structures, des petites structures, des laboratoires, voire des associations qui vont offrir des cas d'usage. Et donc, bah, les grandes entreprises, c'est euh, the usual suspects, comme on dit, sur le territoire. C'est Thalès, EDF, Capgemini, euh, la Camif, euh, la Poste. Euh, donc il euh, y a de, toutes les universités qui ont répondu favorablement. Il y a euh, les laboratoires de recherche euh, qui sont spécialisés dans le numérique, INRIA, mais on en attend d'autres aussi parce qu'il euh, y a euh, donc euh, d'autres euh, enjeux qui, qui, qui débordent simplement le secteur du numérique parce que justement l'objectif du pôle en termes de mission il est double. C'est à la fois de propulser l'innovation dans le secteur du numérique mais aussi de favoriser l'adoption du numérique dans l'ensemble des secteurs de la société, y compris des entreprises qui ne sont pas spécialistes du numérique et qui finalement, placées face au choix d'une solution numérique pour leur activité, bah, euh, on va chercher à les orienter vers les meilleures pratiques, vers les outils les plus effectifs pour eux et pour la société au sens large. D'accord. Alors ça, comment on s'y prend pour fédérer tout ce monde-là, les faire travailler ensemble ah, ben, euh, heureusement, donc les pôles de compétitivité, ça, ça existe depuis déjà longtemps. Donc, on, on va reprendre les recettes de, de ce qui existe déjà. On va s'inspirer de, de ce qui existe. Donc, typiquement, ben, il va y avoir des structures de gouvernance. Pourquoi Parce que l'objectif d'un pôle, ça va être de labelliser des projets, c'est-à-dire d'arriver à travers l'élément moteur qui est la structure du pôle de rassembler des énergies pour résoudre un certain nombre de défis, défis sociétaux. Et donc finalement, la gouvernance elle va s'orienter autour de la propulsion de projets. Qui seront cofinancés par l'État. C'est le, le modèle des pôles de compétitivité. Euh, et là, donc, on s'inscrit dans la phase 5, dans le cadre du programme France 2030, dans lequel ces projets labellisés bénéficieront d'un cofinancement euh, par l'État qui permettra d'accélérer euh, leur mise en œuvre. Donc, ben, euh, je pense que face à l'objectif, il y a énormément, comme vous l'avez rappelé, d'acteurs, euh, y compris les collectivités locales, euh, qui, qui euh, sont euh, désireuses de voir cela aboutir. Donc il faut se mettre autour d'une table et de s'organiser vraiment avec une logique projet et aussi une logique euh, qui, comme je l'ai dit, ne soit pas simplement de la métrologie euh, économique, mais soit aussi une métrologie environnementale et sociale, c'est-à-dire mesurer un impact positif. Sur la société dans son ensemble, des technologies qui pourraient émerger des projets en question. Mmh. Alors, justement, pôle de compétitivité, on pense euh, économie, on pense euh, mmh. croissance, et comment on mesure euh, bah, justement la responsabilité, euh, la durabilité Alors, c'est une vraie question et qui n'est pas encore tranchée, mais on voit bien la différence par exemple entre le PIB et l'IDH, l'indice de développement humain. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut, dans la chaîne de, 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 de mise en œuvre des projets, arriver à mesurer les questions d'impact euh, sociaux et économiques à long terme. C'est une question de ce qu'on appelle en économie des externalités, c'est-à-dire le fait qu'un acteur dans son écosystème va interagir soit positivement, soit négativement. Un apiculteur, il fait son miel, mais ses abeilles vont polliniser les champs autour, donc il y a une externalité positive. Et donc il s'agit, en fait, à chaque fois, de privilégier les projets qui auront des externalités positives et euh, éventuellement de se refuser à s'engager dans des projets qui auraient des externalités négatives euh, manifestes. Et, et donc, vraiment, ça fait partie de la mission du pôle de se donner un certain nombre de critères qui ne sont pas évidents pour euh, évaluer les projets qui seront labellisés. La question, vous citiez les chiffres, hein, est-ce que euh, c'est euh, 70% de, du cycle de, de, de l'empreinte d'un matériel qui est, euh, est issu de sa conception ou 80% finalement, comme maintenant d'autres mesures le, euh, le, 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 le proposent euh, ben, Mettre en place des outils de mesure, ça fait aussi partie, et les évaluer hein, dans, en pratique, ça fait aussi partie des, des bénéfices secondaires du pôle, puisqu'on va avoir besoin de ces outils de mesure pour pouvoir évaluer le bénéfice euh, social et économique global euh, des projets. D'accord. Donc là, c'est tout, tout frais, hein, Enter. Première Oula, euh, oui. réunion. Euh... Alors non, réunion bien avant, parce que en fait, euh, Enter, donc euh, comme on, 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 on l'a dit au début, euh, c'est euh, un travail commun avec le Conseil régional, avec euh, Naos, puisque je, on est bien sûr dedans par rapport à les objectifs que le Libre propose d'atteindre, mais aussi Digital Aquitaine qui est un autre cluster donc, qui est centré sur, sur l'ancienne région aquitaine. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à aligner nos valeurs, à aligner notre gouvernance. Et donc, les réunions, il y en a depuis des mois, puisqu'il a fallu répondre à l'appel à projet. Donc, déjà, commencer à réfléchir ensemble. Les cinq mots que je vous ai donnés, les cinq valeurs qui sont, qui, que je vous ai dites, sont issus des travaux préparatoires. Mais il est clair que là, maintenant, l'objectif, c'est d'avoir une structure et une gouvernance qui fonctionnent pour la fin de cette année. Donc déjà à l'œuvre. Oula oui. <laughs> très bien. Merci François Pellegrini d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain Hebdo Echo.